fois, c'est la revanche du mode zombie de la dernière fois. J'espère que ça n'a pas bugué. Donc voilà, c'est parti. Et cette fois, je vais instaurer une petite règle que je vais faire tout seul, comme ça. Et ben, en gros, je vais devoir jouer qu'avec le MP40 et le Stakeout. Oui, je les achèterai au fur et à mesure. Je devrais jouer qu'avec ces deux armes quand j'aurai, dès une fois que je les aurai achetées. Donc rassurez-vous, hein, je ne vais pas les acheter tout de suite. Mais je vais juste devoir jouer avec ces deux armes et je n'aurai pas le droit d'ouvrir la boîte. J'aurai le droit de les améliorer. Et la seule arme que j'aurai le droit d'acheter à part ça, c'est le couteau de chasse. Donc voilà, c'est les règles que je m'impose pour cette revanche. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est parti. Bon, voilà, c'est parti, on commence. J'ai pas mis beaucoup de son parce que, on va dire que il est tard. Et donc voilà, je vais pas mettre beaucoup de son parce qu'après ça fait un peu mal à l'oreille aussi. Si vous avez des techniques particulières à m'enseigner pour le mode zombie, je lis tous les commentaires, donc même s'il n'y en a pas tant que ça. Ça m'intéresse vraiment parce que j'aimerais apprendre à mieux jouer. Et cette fois, avec toutes vos techniques que vous m'aurez apprises, je serai peut-être un bien meilleur joueur que je suis là. Hein. Parce que là, je suis plutôt mauvais. Hein. Sachant que ma meilleure vague, c'est la vague 28 que j'ai faite il y a un moment. Et je suis loin de pouvoir refaire ça. Hein. D'ailleurs, je me suis surpassé tout seul, alors je sais pas comment j'ai fait. Oh là. On rebattait les obstacles toujours, n'oubliez pas ça. Oh, je l'ai pas vu. Il y en a. Oh putain. Là, il n'y en a pas là-haut, je crois. Je sais pas pourquoi, il y a plusieurs joueurs qui vident à chaque fois les jambes, premièrement. Enfin, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Vous me direz sur les commentaires à quoi ça sert, parce que moi, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Hein. Je me répète, oui, mais. Enfin bon. Donc, sachant que le Stakeout et le MP40 sont des armes de la troisième porte en partant du haut. Deuxième porte. Donc la grande salle avec la tour automatique. Pas la salle du théâtre. Hein. En multijoueur sur le mode zombie, c'est vraiment une mauvaise arme. Mais sinon, elle est vraiment très bien. Là, je suis dans la merde. Hop, purée. J'ai pas le choix d'ouvrir, hein. J'ai plus de balles en plus. Ça va servir à rien, mais alors. Voilà, je marque ma petite grenade. Allez, des balles en tête. Eh ben j'ai eu trois bonnes mises d'un coup comme ça. Allez, je double. Voilà. Bon là j'ai assez pour m'acheter on verra, le skate out normalement. Oui, j'ai assez pour le skate out le MP40. Donc on va commencer à jouer correctement. Je vais surtout me servir du skate out. Stake out? Oh putain, j'aurais pas dû dire skate out. Je suis désolé. Oh.
Je vais le privilégier souvent pour le corps à corps parce que c'est assez compliqué. Désolé s'il y a des blancs des fois. C'est juste parce que je joue en live, donc c'est assez compliqué de commenter en même temps. Je tenais à vous préciser, vu que j'ai eu un commentaire qui m'a dit, j'ai pas vraiment compris le sens, mais je supposais que c'était pas vraiment bon. J'accepte tous les commentaires négatifs et positifs tant qu'ils restent corrects. Je pense que vous comprenez. Mais faudrait pas trop. Je fais de mon mieux pour faire ces vidéos. C'est pas vraiment. J'aime bien ça, c'est pour ça que j'en fais. Je vais pas mettre beaucoup d'argent dedans parce que ça sert à rien de mettre de l'argent dans un truc qui a pas vraiment marché. Je pense que vous comprenez. Voilà, ça c'est fait. Et là, mon cas. On va commencer à rebâtir. Bon, pourvu que ce soit les chiens après, comme ça, quand c'est mort, j'en ai pas besoin. Bon, allez. Alors voilà, continue. J'ouvre cette porte, je vais ouvrir l'autre et je vais activer le téléporteur. Parce que c'est vrai que. Elles sont bonnes les herbes, mais au fur et à mesure, les zombies sont de plus en plus résistants. Donc elles deviennent plus mauvaises aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de les améliorer comme ça. Améliorer-les une fois que elles n'ont plus beaucoup de munitions, parce que ça n'a aucun intérêt dans les premiers mois d'améliorer une arme qui a beaucoup de munitions. Ça se trouve, je vais le faire, donc bon. C'est pas bien. Oh, j'ai pas le choix là d'activer. Hein. Comme ça, plus j'active tôt, moins il mettra de temps à recharger. Moins la vidéo durera et plus le. Oh, putain. Et moi, Oh là, je bug, excusez-moi, Si j'avais quelqu'un pour m'aider à parler, ce serait plus facile. Hein. L'UPLOADE ou je sais pas quoi sera long. Donc là, je sais pas, j'ai presque plus de munitions dans celle-là. Une bobine. Les bobines, elles servent à pas grand-chose. Hein. Elles servent juste à faire passer un film. Donc j'en vois pas vraiment intérêt, moi, mais bon. Bon, je pense que j'ai bientôt assez pour m'acheter Mastodonte. Ah ouais, il en reste qu'un en fait. Sérieux, il en reste qu'un. J'ai bien fait de pas tous les tuer. En même temps, je peux pas le tuer avec le stick-out. Donc je vais attendre hein, que le téléporteur se recharge. Avant de le tuer. On va rebâtir un peu. En fait, j'ai découvert à quoi servait le marteau. J'ai fait des petites recherches sur internet et il sert finalement à reconstruire tous les obstacles. Donc c'est vraiment utile, je pense, que quand vous ne jouez pas comme moi, genre que vous faites souvent des cycles, vous tournez en rond et que vous utilisez rarement le téléporteur. Ou encore dans les autres maps, genre 5, il y a un téléporteur dans 5, mais. J'aime pas trop celui-là en fait, parce que je crois qu'il téléporte zombie avec vous. Une fois j'avais fait une partie dessus, mais. Enfin bref. Alors, le zombie est toujours là, j'ai rebâti quelques obstacles. Après, il vient de faire un saut là, je pense que. Et là, il court. Je comprends pas en fait. Ça m'énerve en fait ces zombies-là. Oh, raté. Oh là! Ah ça, j'ai horreur de ça quand je me bloque comme ça. Je sais pas pour vous, mais... on continue. Je continue à faire la pub pour Lucas de Dibella et Stryger, des potes qui font aussi des vidéos sur YouTube. Pas mal aussi.
Bah, je leur fais encore de la pub, aller voir leurs vidéos, surtout leur concours pour gagner Black Ops 2. Donc voilà, fait les chiens évidemment. Pour gagner Black Ops 2, et donc voilà. À le jour de sa sortie, il me semble. Hein. J'ai pas encore vérifié, excusez-moi. J'ai refait une vidéo, mais j'ai pas encore vérifié. Oh. Il m'a assumé une balle. Hein. Et ben voilà. Il y a au total, il y a 6 chiens. Hein. Voilà, je viens de compter parce que j'avais 6 balles dans mon skate out. Ah, ça va, j'avais rechargé. Alors. Je sais pas ce que le MP40 doit améliorer. Hein. Vraiment, je sais pas. Est-ce qu'il est bien ou pas On verra. Ah, j'ai assez pour ma seconde. Hein. J'achèterai dès que je ferai un petit tour. Je n'ai vu un là de zombies. Illusion d'optique sûrement. J'ai chaud, hein. Voilà, donc c'est parfait, je suis en haut du téléporteur, je vais jeter quelques grenades, en espérant que Black Ops ne va pas bugger comme la dernière fois. S'il bug, je ne mettrai sur... Je vais peut-être mettre la vidéo, mais j'espère que ça va durer un peu plus longtemps, quoi, parce que si c'est une revanche, normalement, ça devrait durer. Il y a une bombe en bas, j'ai trop envie de la prendre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de finir une manche en étant tout en haut du téléporteur, hein, une fois après le téléporteur. Où est la bobine? Je me souviens plus où elle est cette bobine. Je sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas moi ça m'arrive assez régulièrement. Hein. Ouais, qu'est-ce que je dis moi, régulièrement, pourquoi? Donc, je sais plus. Ah oui, de tuer tous les zombies une fois en haut du téléporteur. Oh, j'ai utilisé la bombe. Oh my. Je vais chercher le. Ah, c'est bon, parce que sinon, je pense que je vais pas tenir. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Hein. Je pourrais utiliser mon argent dans des boîtes, mais bon. Vite bouger pour faire mon cycle là. Je vais attendre. Oh, ça m'a fait peur. Hein. Ah, vous voyez, je suis donc vraiment dans le pétrin parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Bon, ça va, j'espère pas mourir de... Yeah! Voilà, je devrais y arriver. Ouf! J'ai bien tenu là. J'en ai fait des kills. Oh! Voilà. Je me suis fait frapper, hein. J'ai pas fait un grand tour en plus, je pense que je me tue pas mal. Je suis assez fier de ce que, ce que je viens de faire. Hein. Parce que c'est rare que je fasse de bons scores quand même en mode zombie. Il faut que j'aille activer le téléporteur comme ça pour la prochaine manche. Voilà, pourquoi j'ai jeté la grenade? Alors... Niveau munitions, ça va aller. Ah, il en reste un.
Allez, mon petit pareil, je vais le finir au fait, sans mourir. Bon, c'est facile avec un couteau de chasse, hein, c'est vrai, mais bon. Ah, c'était pas le dernier. Encore un. Voilà. Donc voilà, bon, c'est parti. Excusez-moi, j'ai des blancs là depuis ce matin. Je... Ah. Elle est là, la boîte. Hein. Donc, le... Ah, d'accord. J'ai même pas vu. J'ai vraiment pas beaucoup utilisé ces cartes quand même. Hein. On rebâtit tout, allez. Bon, j'ai pas le choix. Là, il y avait plusieurs zombies, j'ai pas pour... j'aurais pas le temps de tout se tuer comme ça. Hein. Ah ouais, du coup, j'ai 3 grenades. Au lieu d'en avoir que 2. Ah oui, c'est vrai. En... chaque manche, on gagne 2 grenades. C'est pas mal. Heureusement que les grenades, ça existe dans le mode zombie. Donc, en même temps, j'aimerais vous parler de... du futur let's play que je voulais faire. C'était sur... Oh là là, sérieux. Ah non, je voulais continuer le let's play de Saints Row the Fair, mais je vois que personne ne l'apprécie vraiment. Enfin, du coup, il n'est pas vraiment vu beaucoup. Donc, je pense que je vais plutôt miser sur un let's play de Call of. Et voilà, un let's play de Call of. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire celui-là, parce que Call of est un peu plus connu. Ah oui, Call of Duty, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Voilà, moi je ferai des munitions. J'ai même pas. Oh bah. Aussi dans les commentaires, excusez-moi, ça va faire 3 trucs à noter déjà. C'est vrai que c'est marrant, de temps en temps, de perdre un peu de temps à faire des commentaires, parce que j'aime bien, moi. Dites-moi, quelle est votre manche solo la plus... Enfin... quelle est votre meilleure manche solo? Parce qu'en multijoueur, on peut faire des grosses manches, hein, surtout à 4. Et ça promet avec Black Ops 2... qui va faire des modes zombies avec 8 joueurs, c'est ce que j'ai entendu en regardant certaines vidéos de Diablo X9, Cruxy et tout. C'est vrai que j'étais plutôt impatient de voir le trailer de ce fameux Black Ops 2, parce que ce Black Ops était quand même pas mal, faut bien l'avouer. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, je vais aller faire un petit tour aller acheter le cola énergisant. Hein. Pas grand chose. Ah, quoi que je vais peut-être améliorer une arme. Ça sert à quoi d'acheter un cola énergisant quand on n'a pas d'arme améliorée. Quoique j'ai des munitions partout, donc ça sert à rien. On va acheter le cola énergisant. Donc vous voyez, j'ai acheté beaucoup de trucs. L'argent que je vais avoir va me servir, mais juste à acheter des munitions. C'est pour ça que j'ai choisi ces armes-là et pas des armes de la boîte magique, parce que je pourrais me retrouver embêté. Je suis pas habitué à faire des gros challenges. En plus, celle-là, je ne suis pas vraiment foulé, parce que c'est quand même de grosses armes, hein, le MP40 et le Stakeout. Bon, il est où ce zombie? Je sais pas, j'ai passé. Dis-moi. Ça se trouve, je suis passé devant. Ah, d'accord. Ah. Mais par contre, j'ai jamais su où il fallait mettre une bobine. J'ai jamais su. Je crois que c'est là-haut, à la place du téléporteur. Mais bon. Couteau de chasse, c'est vraiment utile, premièrement. Ça. Moi, je l'aime bien, ce couteau. Pas comme le petit canif qu'on a au début là, je sais pas si c'est un canif, mais bon, la puissance elle est...
Voilà, j'ai rechargé vite. Donc je suis vague 10 et je vais peut-être passer vague 11 et ça n'a toujours pas bugué. Vous vous rappelez la dernière fois, ça a bugué ici. je sais plus. Lucas de Gibela s'en souviendra. Parce que il était dégoûté. Bon, je sais pas. Hein. C'est vrai, parce que bon, je fais pas des vidéos exceptionnelles non plus. Je fais pas des modes zombies exceptionnels. Ça c'est vrai. Hein. Je mens pas sur ce sujet. Donc j'espère que ça n'a pas bugué. Hein. Voilà, bon, j'ai fait quand même pas mal de dégâts. Juste mes munitions de la P40 pour pouvoir l'améliorer après. Bon, il va plus rester beaucoup de zombies, là. Plus de zombies. Ah oui, aussi, je tenais à m'excuser d'avoir dit dans l'autre mode zombie, celui où ça avait bugué avec le téléphone qui sonne, c'était pas mon jour de chance. Et j'avais dit aussi, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo en mode zombie, un truc du genre. C'est vrai que c'est pas... ça craint, quoi. J'avais eu un petit problème de voix, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis marré une fois que le cas de Dibella me l'a dit parce que j'avais pas regardé la vidéo en entière. J'avais regardé vers la fin pour parce que il me semblait qu'il y avait eu un petit problème. Mais non, en fait, tout s'est bien passé au niveau de... pour filmer et tout. Donc on est déjà à 22 minutes de vidéo. C'est quand même un bon temps. Hein. Je pense que je vais peut-être faire en deux parties. Parce que si j'en fais une heure, pour lui peut aller, ça va être long. Et alors, long. Ah bah c'est les chiens. Bon bah là, ça ne servait à rien en fait. J'aurais usé toutes mes munitions pour rien. Donc voilà, on continue. Tiens, viens là. Allez, viens. Voilà, des coups de cut. Je vais recharger toutes mes armes et je vais tout tirer en cut. C'est mon défi sans mourir. On va faire un deuxième défi. Oh putain. J'ai trop envie d'utiliser mon stick-out. Hein. Allez, viens, venez. Voilà. 6520. Je commence à ouvrir les autres portes. Ça ne me servira pas à grand-chose. Hein. Juste pour faire mes cycles, mais bon. 1250, allez. Comme ça, je vais pouvoir améliorer mon art encore. Bon, c'est pas grave. Patience, patience. La prochaine fois, je devrais faire le genre de défi, faire un mode zombie avec le petit pistolet là qu'on a au début. Allez, je vais activer le téléporteur, je vais faire un maximum de dégâts au moins avec mes grenades. Voilà qu'on doit les mettre avec bobine. Je sais même pas où il faut les mettre. Hein. Ça m'énerve. Voilà, j'ai eu quelques... Allez, on va jouer un peu au stakeout. Hein. Je vais finir cette manche au stakeout. Ah, ça fait trois fois qu'on me téléporte dans cette salle là. Ça sert à rien. Bon voilà. C'est fou comme il recharge vite quand même. Hein. Je l'admire ce gars. Donc vague 12, je sais pas si vous voyez. J'hésite à faire des boîtes plus tard pour juste avoir le singe en fait. Je sais pas si... Non, allez. Déjà que c'est facile quand même avec le MP40 et le stick-out. Alors si je me rajoute avec les trucs de singe... Oh. Oh putain.
ma souris, c'est pas le dernier, non, c'est pas le dernier, il y en a un là-bas. Oh putain. Oh là, j'étais en danger. Oh, c'est pas le dernier du tout, hein. Oh, toi, t'es mort. Bon, moi j'ai eu un paquet de zombies là. Allez, viens, viens. Maintenant je me rends compte que je suis pas le plus nul en mode zombie. C'est... Enfin, je suis nul, mais pas le plus nul. Parce que sans vouloir me moquer, j'avais vu quelqu'un faire un mode zombie filmé avec une webcam. Il est arrivé vague 13-14, quoi. Mais vraiment, avec en utilisant la boîte et tout et tout. Bon, je veux pas te dire, la dernière fois, je veux bien dire, pourquoi j'arrive pas à le dire. C'est grâce à Lucas de Dibella, tout ça, parce que c'est vrai. J'ai pris quoi, le marteau, là? C'est grâce à Lucas de Dibella, tout ça, parce que j'étais vraiment nul avant. Il m'a appris à peu près ses bases, même si je regardais des vidéos, je voyais à peu près comment il faisait. En jouant avec quelqu'un qui s'est joué au mode zombie, c'est utile, hein. Je vous promets, essayez. Oh, j'ai morflé là. Ah, j'ai une grenade, hein. Améliorer mon MP40. The Afterburner. Bon, je pense que non, je devrais pas mourir si tôt là. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup d'améliorer le MP40, mais pour moi il a l'air bien quand même. Hein. Donc voilà. Je sais pas si on peut prendre ce singe à chaque fois. J'essaie, j'y arrive pas. Oh non, le pas de... Il en reste combien là, hein? Il en reste qu'un. Oh, j'ai bien fait de pas se tuer là parce que j'ai eu chaud. Donc on est presque à 30 minutes de vidéo, je suis vague 13. Ça craint quand même, hein. J'hésite à la faire en deux parties en fait. Parce que j'ai pas envie de mourir exprès pour finir cette vidéo. Hein. Prochaine arme, c'est le stakeout que j'améliore. Bon, je vais commencer à ouvrir le passage parce que si j'en aurais besoin. Je vais aller m'acheter le double coup, je sais pas à quoi ça sert, mais ça peut être, c'est peut-être important ce truc, ça le sait vraiment pas. Donc, du coup, j'ai ouvert toutes les portes. Donc ça m'a coûté à peu près 6000 tout ça, hein, à peu près. Par contre, c'est le dernier zombie, il doit être loin derrière. Voici mes mots zombies. Ils sont longs, mais au moins, c'est sûr que je peux aller loin. Allez, base 14. Là, par contre, j'ai pas assez pour améliorer mon stack-up, donc je vais user un maximum de munitions. Allez, 3, 2, 1, 30 minutes de vidéo. Eh ouais, c'est un record, vidéo depuis 30 minutes. Ouais, je pense que je vais la faire en deux parties.
Oh. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vais la faire en deux parties. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, rebonjour. Et voilà la deuxième partie. Bon, vous verrez tout d'affilée, mais moi j'ai fait cette vidéo en deux parties parce que, grâce à YouTube on peut assembler des vidéos. C'est grâce à ça que j'assemble mon intro avec sur toutes mes vidéos. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. J'ai trop de munitions là avec ça. Enfin bref. Donc voilà. La deuxième partie, c'est parti. Vague 14 avec tous les bonus, oui, je les ai tous. Et le stick out non amélioré, mais par contre, le MP40 a amélioré. Donc, The Afterburner. Voilà. Bon, non, je devrais avoir 5000 avant la fin. Sérieux, toi tu m'as saoulé. Munition améliorée. Combien? Oh, 4500. Oh la vache. Ah ben, je ferai vraiment dès que j'aurai plus de munitions, hein. Bah donc du coup, là, parce que plus de zombies. Tirant parce que j'aimerais avoir assez pour améliorer mon stakeout, excusez-moi. Donc voilà. C'est le dernier. Non. Ah, il me reste 12 balles. 12 balles, 12 zombies. Oh, munitions max. Bon, bah, j'ai pas amélioré tout de suite. J'avais pas changé. Oh, putain, j'ai oublié de recharger. Ah, c'est pas grave. On pour une balle. Ça servait à rien, en fait, que j'essaie de faire mon fou pour tout avoir, là, pour l'améliorer. Enfin, bref. Autant que munitions max servent. Hein. Déjà, j'en avais besoin pour mon Afterburner. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'avait pas beaucoup de munitions. Oh putain. Je m'amuse à chaque fois à faire des combats au corps à corps avec des zombies, c'est une mauvaise idée. 2 balles pour avoir un zombie. Ça va pas faire le fou là. J'ai assez pour l'améliorer. Mais bon. Donc voilà, je refais la pub pour cette deuxième partie pour Lucas de Dubella et Friars, qui font aussi des vidéos, je me répète, quatrième fois que je me fais téléporter ici, ça commence à m'énerver. Donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube et abonnez-vous à eux aussi. Et si vous avez aimé, c'est votre zombie, abonnez-vous. C'est conseillé pour me suivre, même si je suis pas fait. Oh là là. Oh là 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 là. Là, je sais pas comment j'ai fait, mais alors, vraiment pas. Et oh, là, ça a vraiment chauffé, mais j'ai pris trop de temps, en fait. Donc, si je fais pas de boîte magique, non, je devrais largement avoir assez pour aller au moins jusqu'à la vague 16-17, hein. Peut-être que la deuxième partie va servir à rien, mais...
Allez, meurs-toi. Je vous ferai un tutoriel pour vous montrer comment faire des vidéos en deux parties comme ça pour les assembler directement. C'est pas compliqué, mais pour ceux qui sont nouveaux sur YouTube ou étant du genre, c'est vraiment pratique. Hein. J'ai appris ça en trifouillant un peu tout. C'est tout simplement sur montage vidéo sur le truc YouTube. Hein, quand... enfin, il faut deux coups de pète maintenant pour les avoir. C'est pour vous montrer qu'ils sont de plus en plus forts en fait. Ouais, je vais le tuer. Voilà, bon, j'ai assez pour améliorer mon skate out. Il n'y a pas de munitions max, donc je vais améliorer vraiment. Par contre, ce sont les chiens. Ah, évidemment, c'est les chiens. Bon, au moins, c'est rapide les chiens. Moi, ça vous fait, passer quelques manches rapidos. Eh bien, deux balles maintenant pour les avoir aussi. Eh bien, toi. Oh, j'en chie, hein. Au moins, je vais. Voilà, je recharge mes armes. Donc alors, il me reste 6 sur 5, donc 60 balles dans mon skate out. Un peu plus de 240 balles dans mon The Astar Burner. Donc, parce que j'ai pas envie de faire mon calcul direct. Là, je suis concentré, je vais pas faire les maths. En plus, le pire, c'est que je suis mauvais. Donc, voilà. Personne ici. Même pas un zombie, sérieux. Sérieux. Oh non. J'ai beaucoup de munitions pour rien, mais alors là. Oh, je suis en plein dégoût. Je suis dégoûté, mais alors. J'ai assez pour me refaire tout mon équipement, mais bon. Du coup, je peux pas m'améliorer mes armes. C'est pas grave. J'ai voulu faire le fou, bah voilà. Mais au moins, ça n'a pas bugué. Donc aussi, si je vais demander à Lisa de Dibella, bon, je ne sais pas s'il acceptera, je pense que je vais proposer des vidéos avec lui, peut-être que ça, au moins, ça évitera de faire trop de pubs à chaque fois, hein. Et on s'amusera un peu plus, donc. Oh merde. Là, je vais refaire tout mon stuff. Enfin, mon équipement, en gros, moi, j'appelle ça l'équipement. C'est, pour moi, c'est pas des atouts, c'est un équipement, parce que sans ça, moi, je peux pas survivre en mode zombie. Je sais pas au total combien il y a de vagues dans ce mode zombie. Mais bon. Allez, meurs toi. Voilà, il me suffit d'une balle de get out et un coup de. Genre 3 balles. Ah, je fais le fou là, mais j'ai pas encore ma seconde, j'y pense. Je sais pas combien il reste de zombies là en fait. Bon, il reste pas tant que ça. Ça va. Bon, je dis il reste pas tant que ça, mais il reste quand même. Hein.
Alors, oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma nouvelle intro, je l'ai faite avec Wii Vidéo. Enfin, moi, j'aime bien. Hein. Bon, pour le moment, je pourrais en faire des mieux, mais c'est pas grave. C'est juste. J'avais plus d'envie là. C'est juste pour me faire une petite intro, quoi, comme ça. Mourir. Balance mes grenades, je vais tirer quelques balles. Bon, je pense pas que je vais tenir très longtemps, on est déjà à 10 minutes de vidéo pour la deuxième partie. Pas pour vous, hein. Allez, c'est parti pour améliorer. Get out. En raid. Allez, pas beaucoup de munitions. Ah si, il y en a quand même pas mal. Je vais voir ce que ça fait. J'espère qu'il est bien. Si ça fait comme on l'obtient, les balles qui sont un peu enflammées, ce serait bien quand même. Hein. Ça affaiblit les zombies au fur et à mesure. Ouf. Oh non. Ils sont pas sérieux là quand même. Mort deux fois en deux manches. Oh non. Et ouais, c'est ça, quand à partir de la vague 18, voilà, il y en a qui sortent comme ça de temps en temps. Bon, je crois que je vais m'acheter réanimation mastodonte. C'est le plus important pour le moment. Bon, non, je vais m'acheter ça et mastodonte. J'aurais pas assez pour moi, c'est bon, putain, que j'ai fait. Bon, là, je commence à être à sec, j'ai presque plus de sous, je vais m'acheter réanimation. Oh là là. Pourquoi je me suis acheté combien énergisant quand alors les deux plus. Ah ça va, j'ai cru qu'il était plus. Bon, j'ai fini ma manche, je pense pas que je vais tenir à la prochaine manche. Hein. Je préviens tout de suite. À part ce sont des chiens. Eh ben non, ce sont pas des chiens, donc je vous préviens tout de suite, ça va sûrement être la fin de la vidéo là. Évidemment, c'est mauvais moment. Si j'arrivais à tenir un peu plus, ce serait bien. Pas 19, hein. Je me suis pris ça. Oh, ça. J'arrive. Ah, ça recherche 2 balles par 2 balles. Ah, bah tiens, ça pourrait pas tomber mieux. Oh là là. Peut-être encore un espoir. Non, plus d'espoir. Il y a un bug. Il y avait un bug. Écoutez, j'aurais pas dû bouger. J'aurais dû plus un tuer un maximum. Allez, vous bougez pas. Voilà. Bon, je me barre. Hein. J'ai plus de réanimation. Ouais, bon, voilà, je suis mort. Les amis, déjà, malheureusement. 419 victimes, 46 780 points, 95 tire-tête. C'est pas un très joli score, hein, mais bon, j'ai déjà fait 19 manches, c'est presque la 20e. Je suis plus ou moins déçu quand même, mais je suis quand même satisfait que ça n'a pas bugué comparé à la dernière fois. Je suis content que vous ayez regardé ma vidéo, merci bien.
Et puis, ciao, ciao, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo sera sur Mass Effect 3. Donc, ciao.